Bonsoir, il a fait très froid ce matin avec de nombreuses gelées. On a relevé jusqu'à moins 6 degrés en région centre et malheureusement ce sont de nouveau les nuages qui vont s'imposer à partir de demain avec en matinée quelques gouttes attendues principalement dans l'est ainsi qu'entre la Manche et le Massif central et de l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées. Des averses qui se produiront sous forme neigeuse en montagne et ce des basses altitudes, à peine des 400 mètres seulement du côté du Limousin, ça pourra blanchir sur les plateaux. Un temps plutôt lumineux pour la Bretagne et pour le golfe du Lion. L'après-midi, des nuages abondants sur une grande partie du pays. Ils lâcheront quelques gouttes de temps à autre ou des flocons des basses altitudes sur les reliefs. Attention à quelques coups de tonnerre possibles du côté du Pays Basque et puis un temps ensoleillé, une fois n'est pas coutume, pour les Bretons, mais aussi aux abords du golfe du Lion où Mistral et Tramontane seront toujours de la partie. Les températures de votre mercredi matin, elles seront en hausse avec le retour des nuages mais quand même bien fraîches. Moins 2 pour la minimale à Aurillac, plus 11 pour la maximale à Nice et l'après-midi, la température qui continue de baisser, des valeurs très fraîches pour la saison, dignes d'une fin novembre, voire d'un début décembre, avec à peine 3 degrés au meilleur de la journée pour Aurillac, 6 degrés seulement pour Limoges, il fera 7 dans les Ardennes, 8 à Paris, 11 à 12 pour la Bretagne et jusque 15 à 16 pour la Corse. Votre jeudi, des conditions bien grises attendues entre les Pyrénées et le quart nord-est, grisaille aussi près des côtes de la Manche, davantage d'éclaircies entre la Gironde et l'Artois et puis vous retrouverez des averses entre la Côte d'Azur et la Corse, les températures toujours bien fraîches, notamment sur les régions de l'Est où on ne dépassera pas la barre des 10 degrés. Pour vendredi, la grisaille se réinstalle sur toutes les régions du Nord, du Centre et de l'Ouest, avec quelques gouttes au programme. Le temps sera plus lumineux dans le Sud-Est et notamment près de la Méditerranée, et les températures vont remonter quelque peu, notamment dans l'Ouest où on aura quand même 15 degrés du côté de Nantes. Pour le week-end, c'est de nouveau un temps instable qui s'annonce, avec un passage perturbé pour samedi, un temps gris et pluvieux à la clé, avec des températures plutôt de saison, mais qui vont de nouveau baisser pour dimanche avec le retour d'une fraîcheur sensible et un régime d'averse. Elles tomberont sous forme neigeuse en montagne. Et puis pour lundi et pour mardi prochain, des averses plutôt en atténuation pour lundi, toujours des flocons sur le relief, et mardi un temps plutôt calme et plutôt lumineux, mais les températures seront donc toujours bien fraîches. Demain, nous serons le mercredi 8 novembre, nous fêtons les Geoffroy et nous perdons 3 minutes de soleil. Excellente soirée à tous et à demain.